What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Tu sors ce Bob, et ici directement on prend la suite de nos aventures, chers amis. J'ai déjà rendu la quête de l'espèce de sorcière démarrée complètement décapitée pour récupérer mon fric, et là je rends la quête du Brumelin directement pour la suite de vos aventures, en vous évitant le texte éternel du Geralt retrouva la trace de Ciri. On s'en fout. Ma blette. Je m'infiltre chez le baron. La 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 la. Je vais le faire. Je ne dois pas être loin. Hop. Et je sais même pas pourquoi j'y vais chez le baron, mais je vais lui péter sa gueule. Bob, c'est parce que Ciri lui a parlé. Il faut que tu récupères des indices et que oui, mais je vais le frapper dans la bouche jusqu'à ce qu'il me dise où est-ce que Ciri est allé. Écoute, on y arrivera, on y arrivera. Elle a dit que des monstres des bois l'avaient attaqué avant le village. Wait, what? Mais non, mais j'étais en train de regarder le film là. Oh, l'histoire, la cinématique. Cyrilla, lorsque vous incarnez Cyrilla, ta gueule, Stéphane. Je suis désolé. What the fuck? C'était moins une. Je dois filer d'ici. Je n'ai pas accès à l'inventaire et je ne peux pas utiliser de signes. Fuck shit shit. J'ai la map et puis c'est marre. Damn. Ok, bah... Je n'ai pas d'épée en argent, je n'ai que cette épée là. Elle est en argent ou pas? C'est une petite épée. Elle n'est même pas enchantée. Bon, ça va être plus compliqué que ce que je pensais. Eh ben écoute, serre ton tampon, ma fille, on y va. Oh shit! Il a besoin d'aide. Wow! Wow! Muda, 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 muda! Too fast! Gotta go fast! Ouais! Et je me suis adapté plutôt vite! Aïe, 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 j'ai rien dit! Ça c'est stylé! C'est terriblement stylé! Couchez! Couchez! Ça c'est tellement classe! Oh là 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 là! Tu peux venir? Vas-y, saute, je te rattrape. Salut, toi. Tu es perdu? Wow. Un peu, je crois. Et toi? Ha! Je me perds jamais, moi, mademoiselle. Je ne m'égare jamais. Si c'est vrai, qu'est-ce que tu fais toute seule au fond des bois? Je cherche les petites filles perdues. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça? Ce n'est rien. Comment elle fait flipper Ciri. Moi, je serais la gamine, je serais en train de me chier dessus. Parce que j'étais sur un arbre, j'ai vu des loups, donc j'ai flippé. J'ai vu une guerrière aux cheveux blancs qui ressemble à une grande sœur en mode full téléporte. Mais on dirait un perso de League of Legends, quoi. Ça ne veut rien dire. Mais enfin bon, où est-ce que t'habites, petite? Si tu me disais où tu habites. À Valtilol. On pourrait te soigner là-bas. Oh, c'est gentil, ça. Pas bête. Bien, je vais te ramener chez toi. Allez. Et expliquer à tes parents qu'on n'abandonne pas sa gamine dans les bois. On ne peut pas rentrer à cause du roi des loups et de sa meute. Le qui?
Les loups n'ont pas de roi. Si, ils en ont un. Et tu l'as vu? Oui, enfin non. De derrière un trou, énorme il était, avec des gros yeux et des crocs immenses. Une bête vraiment, vraiment terrible. Eh bien écoute petite, ton doublage m'a convaincu, t'en fais pas, on va le buter ce machin. Tu vois ce que j'ai dans le dos? Les loups en ont peur, même le roi. Viens, je vais t'aider. Bon! Et il faut que je protège la gamine. Miséricorde! Tous ces flashbacks sont vraiment trippants. Oh shit! Cache-toi, vite! Too fast! Too fast! Too fast! Ah putain, il m'a touché quand même, j'hallucine! Hop là! Oula, oula! Frappe! Aïe, aïe, aïe! Il ne reste plus que toi! Trop lent! Trop lent! Quel massacre sortir maintenant, usé par une créature aux griffes immenses. Le courage, même mon père n'aurait pas osé. Le mien ose tout. Viens. Hey. Allons-y, gamine. Allons-y fièrement. Excellente phase de gameplay. J'aime beaucoup. Regarde, il y a quelque chose. Du nudisme. Non. Attends ici. N'approche pas plus. Mais... Pas de mais, reste ici. Je vais voir quelque chose. Je sais que t'as faim, mais c'est pas vraiment la bonne chose à faire, ma petite, là. Voilà, c'est bien. Va pisser ou quelque chose. Alors! Ouais. Il est mort. Palper le ventre! Voyons. Oh, le foie a disparu. Ah ah! Pourquoi tu farfouilles dans son ventre? Ça t'embêterait de regarder si tes lacets sont bien noués? Voilà, ça t'embêterait d'aller chier ailleurs 5 secondes? Pourquoi t'inspectes son ventre? Mais pour me nourrir de ses boyaux, gamine. Sans pitié. On lui a arraché une jambe? Non, elle a été grignotée. C'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Qu'est-ce que je viens de te dire? C'est pas possible. Qu'avons-nous là? Plus de moelle. Intéressant. Un loup-garou. Je pense à un loup-garou, honnêtement. Tiens, la cage thoracique est enfoncée. Les côtes ont dû lui crever les poumons. Quelque chose l'a attrapé puis projeté contre l'arbre. Ouais. Bouche béante, lèvres gonflées. Il s'est mordu la langue. Douleur immense avant de mourir. Injecté de sang, mais encore humide. Mort depuis peu. Ouais. Soit un gros warg, soit un loup-garou. Le roi des loups existe bel et bien, on dirait. Sauf que c'est un loup-garou. Aha ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il est mort, petite. Il est tombé. Dans l'escalier. Ouais. Dis plutôt que c'est le roi des loups qui l'a eu. Qu'est devenue l'innocence des enfants ? À quoi si le roi des loups nous trouve? Bonne question. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire de l'huile pour l'âme. De l'huile? Comme celle qu'on fait avec le colza? Non, une huile plus spéciale. Suive de chien, aconite, petite ciguë et foie de loup. Le roi des loups éprouvera une douleur cuisante. Tu en sais des choses? C'est ton papa qui t'a appris ça? Ouais. Pas mon père, mon oncle. Oncle Vézémir. Il m'a appris ça ainsi que la mort de l'innocence. Vois-tu, petit? Cette huile est utilisée pour l'anal. Allons-y. Bon sang, quel massacre. Que
explosé par une créature au griffes immense. On loot. On récupère les 2-3 fleurs qui traînent. Hop, de la conite, je crois qu'il nous en fallait. Voilà. Encore un peu d'aconite. Voilà, ça c'est fait. Maintenant il me faut de la petite ciguë. Et on va suivre la petite. Vas-y, roule, gamine. Je te suis, Gyarka. Ou Greka. Gretka. Putain, c'est imprononçable comme nom. Je te suis, gamine. Instrument là-haut. Du gui, c'est pas ce que je souhaite. C'est pas grave, allons-y. Ah ah! Ça suffit, oui. Tu en as tué beaucoup. Le roi des loups ne va pas être content. Je vais défoncer sa gueule, au roi des loups. Voilà. Les morts. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais que fait un cochon ici? Il ne reste qu'à trouver un endroit. Il doit y avoir un village ou une ferme dans le coin. On y jeter l'huile tranquillement. J'ai fait bugger le jeu. Parfait. Bon. On va faire la popote spéciale et on va défoncer Monsieur Cabot. Qu'est-ce que tu fais? Je graisse ma lame. Oh! Voilà. On va voir si les formules d'Oncle Vézémir sont véritablement efficaces. On va mourir en essayant. Tout ceci n'est pas réellement rassurant, chers amis, mais enfin. I think it was time to oil up! Allez, allons-y. Okay. Est-ce que les parents envoient souvent leurs enfants chercher des douceurs? Parfois ils y vont même. Parfois ils envoient leurs enfants. Ils vont revenir? Non, pourquoi faire? Ils ont quoi manger au bout du chemin? Mon humble avis, cette petite s'est faite abandonner en forêt parce qu'ils n'avaient pas assez de nourriture pour sa bouche en plus. Mais enfin, tout ceci est bien triste si vous voulez mon avis. Par ici, à travers la grotte. Devant. On va juste essayer de faire en sorte qu'elle ne se fasse pas bouffer par le loup-garou. Ou que ce soit pas elle, le loup-garou. Il fait sombre. Tu as peur? Et toi? Non. Moi non plus. Hey. Aha! Mais que... Le roi des loups, tu me crois maintenant? Oui, ta gueule. Oui, planque-toi. Sac à puce! Ton vétérinaire va avoir du boulot, mon minet! Je peux te passer son numéro, Madame Blanche. Elle fait bien le travail. Eh bien. Quelle raclée il a prise. J'avais jamais rien vu de pareil. Petite? Tu peux sortir maintenant. Allez! Bon! Une chance qu'on soit passé par là. En forêt, on a vu un gars qui a connu un sort moins enviable. C'est sûrement Yaren. On s'en revenait de Aubreuil quand la bête a attaqué. J'ai réussi à filer, mais Yaren, lui... La petite. Passons sur les détails. Vous avez des bandages à la maison? De l'alcool? Il m'a griffé une ou deux fois. Rien de tout ça, mademoiselle. Mais, monseigneur, il a le bras long. Il vous aidera sûrement. Je pourrais même vous donner une récompense pour la mort du garou.
Très bien. Conduisez-nous à votre seigneur. Bien. Eh bien, tout ceci fait un excellent résumé. On en revient à Geralt ou... Tout ceci est terriblement dépaysant, hein. J'apprécie beaucoup, mon dieu, et je me rends compte que j'aurais dû faire cette phase il y a très 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 longtemps. Ah ! Ciri avec le Père Noël. Oh ! Qui crois-tu m'avoir amené, Manon ? Ce n'est pas ma fille. Et la petite ? Non plus, imbécile. Je sais reconnaître mon enfant. Elle est née peut-être pas de vous, mais vous devez bien admettre la ressemblance. On s'y trop près. Et pour ma prime, alors? Tu n'auras pas la moindre piécette. Pour le camp avant que je lâche mes chiens à tes trousses. Alors, ce ragoût. Délicieux, merci. Je vais pas manger depuis. Ça saute aux yeux. Ravi que ça vous plaise. Un bain chaud vous attend après le repas. Et un peu de sommeil vous ferait du bien. Gretka peut dormir derrière l'âtre. Vous, on vous a préparé la chambre d'amis, en face des cuisines. Merci. Je... Chut. Mangez donc. Nous reparlerons quand vous serez reposés.